J'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, regardez cette vidéo et ensuite vous irez mieux, j'en suis sûre. Les loups vous remonteront le moral. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit vlog, un petit truc tranquille, pépouze, un peu à l'ancienne, comme on aime. Aujourd'hui, je vais retrouver ma petite sœur qui n'a pas vu les chevaux depuis un peu plus de 9 mois maintenant, puisqu'elle est partie faire ses études à Lille et du coup, elle est plus du tout dans la région. Et donc voilà, là, elle est revenue un peu pour les vacances de Pâques. Enfin, elle a fini ses examens, etc. Donc elle est rentrée 5 jours à la maison. Et on va du coup en profiter pour aller se faire une balade toutes les deux. Et en plus de ça, par chance, on a maintenant Hypercute qui est avec nous. Et donc du coup, ma sœur va prendre soleil, je vais prendre Hypercute. Et donc l'avantage, c'est que pour une fois, on sera à peu près à la même vitesse, parce que quand elle prend Sango et que je prends soleil, c'est pas vraiment ça les balades. Donc là, ça va être chouette. On va partir faire un petit tour. Il fait super beau, il est très tôt, mais j'avais pas trop le choix que de venir avant de travailler. Donc voilà, on va aller se faire ça et ça va être génial. Je vous emmène avec nous. C'est mardi. Bien évidemment, madame est en retard, donc je suis en charge d'aller récupérer les poneys. Et ils sont tout au bout du pré, dans l'abri, à l'abri du soleil et de la chaleur et des moustiques et des mouches et de tout ce qu'on n'aime pas l'été. Et voilà, ils font leur petite vie comme d'hab. Et cette caméra est très lourde. Oh la vache! Juste là, on a le petit cul le plus beau. Qu'il est beau, mais je vous jure, regardez ça quoi. Une boule de muscles et bon, un peu de gras aussi, on va pas se mentir. Mais oh, c'est tellement un plaisir de le voir comme ça. Il est beau. Oui, il est trop beau. Enfin voilà, lui il se porte comme un charme, tout va bien. Et là nous avons le grand pépère. Le grand pépère, oh oui. Allez, vous deux là. Vous deux, oui, non mais fais pas genre. Fais pas genre. On va aller faire un petit peu de sport. Oui, on va aller faire un peu de sport, surtout toi là. Oh, t'en as besoin. Tu en as besoin, ben ouais. Allez, me revoilà reparti dans l'autre sens avec les deux gros. Je les emmène à l'aire de pansage et je connais un petit cul qui va être très content d'avoir son grand abri pour lui tout seul pendant 1h30 sans que les deux zigotos là le prennent pour un grattoir ambulant. Il va être bien content. Bah c'est pas trop tôt, je t'attendais plus moi. Hey. Regardez qui voilà, la star de mes nuits, le soleil de mes jours, ma princesse, ma reine. J'ai nommé Sally la reine des chieuses. La première chose qu'on va venir faire, vaporiser un max d'anti-mouches partout, parce que là c'est un enfer. Un enfer. Il y en a beaucoup trop. Et en fait je le fais avant de les brosser à chaque fois. Comme ça au final avec la brosse ça répartit encore, encore plus le produit partout quoi. Hop là. Ah parce que là entre les mouches et les mouches plates, c'est pas cool. C'est pas cool. Allez. Et en plus pour le coup, Hypercute et Soleil, c'est un peu genre les deux chevaux qui supportent le moins les mouches au monde genre. Vraiment, ça les fait péter un plomb. Et bah le but c'est pas non plus qu'on se casse la gueule quoi. Hop là. Un peu dans la queue. Et voilà. Allez. Et nous voilà partis en balade avec ma soeur qui est du coup sur gros soleil. C'est là où je me rends vraiment compte de 1 qu'il est très petit, de 2 qu'il est particulièrement gros depuis ces dernières semaines. Depuis le retour de l'herbe, il a bien pris du poids. Et moi du coup je suis sur mon grand destrier, Pépère. C'est la première fois que je vais en balade avec lui. Ouais, c'est la première fois. Je l'avais monté il y a quelques années quand Mareva était partie en vacances. J'avais été le sortir 2-3 fois, je crois. Mais là, c'est la première fois que je vais dehors avec lui et tout. Après, bon, c'est un cheval, il a le pied sûr, il a fait du complet, il a peur de rien. Bon, je l'ai déjà vu sortir avec Mareva. Enfin, je suis pas du tout inquiète par lui. Et comme vous voyez, on leur a mis leur masque de cosmonaute. Parce que sinon ils sont vraiment trop embêtés par les mouches. Bon voilà, allez, on part faire notre petit tour, ça va être chouettos. Mmh.
cool comme endroit, hein. Mais c'est vraiment pas l'endroit où il faut trotter. Comment ils sont venus comme ça? La petite pause. Allez, soleil. Bon, ça y est, nous voilà rentrés de notre balade. C'était trop, trop bien. C'était vraiment génial. On a juste eu un petit problème au tout départ avec Soleil qui s'est un peu vénère parce que il avait les mouches plates qu'il piquait et ça le rend littéralement hystérique. Donc ma soeur a fait un peu rodéo, on est descendu, on en a tué quelques-unes et puis après c'était reparti. Ils ont été franchement trop bien. Ça a été génial. Maintenant, on va passer au truc un peu moins cool, faut vermifuger. Pépère, on l'a vermifugé hier, mais là, il faut faire Soleil et Sango. Donc, on est parti pour le moment vermifuge. Oh oui, un plaisir. C'est les mouches, là. Trop bon! Et voilà, tout le monde est vermifugé. Faut vraiment que je fasse un peu de medical training avec Sango et Soleil, alors faire régulièrement de la seringue à la compote pour que genre la pipette ce soit un truc plaisant. Et qu'au moins quand on arrive au moment des vermifuges deux fois par an, parce que moi je les vermifuge qu'à l'automne et au printemps, ce soit en mode vas-y let's go, trop bien, donne maman. Mais c'est vrai que c'est un truc que je prends pas le temps de faire et qu'il faut vraiment que je fasse à la fois pour que pour eux ce soit un moment qui soit pas genre chiant et lourdingue et tout, et à la fois pour que ce soit plus sympathique, moins contraignant. Voilà, donc faire un peu de medical training, ça va être dans notre planning des prochaines semaines. Travailler là-dessus une fois par semaine, une petite seringue de compote pour que ce soit agréable pour eux. Voilà, c'est important, je trouve, que genre ce soit pas un moment déplaisant, chiant, où ils gigotent, ils bougent la tête et tout. C'est plus agréable pour tout le monde comme ça. Bon, Léa, elle croit personne quand on lui dit qu'on est vraiment des copies conformes. Donc dites-lui dans les commentaires qu'on se ressemble, qu'on est des copier-coller, tout ce que vous voulez. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Il y a bientôt les 100 000. Ciao! Bon allez, il est 9h54, il est peut-être temps pour moi de rentrer à la maison pour me mettre au travail. C'était trop chouette de revoir ma petite soeur. Ça faisait longtemps et c'est la première fois de toute notre vie, je crois bien, qu'on a pu faire une balade toutes les deux à peu près à la même taille, en tout cas à peu près à la même vitesse. Et ça c'était vraiment chouettos. Voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vais speeder pour rentrer à la maison, je suis censée commencer le travail à 10h, je suis un peu en retard. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!